Bienvenue dans Vlog en Guadeloupe. Précédemment dans Vlog en Guadeloupe. Elle conduit bien, Caroline, elle conduit bien. Regarde la route, regarde la route. T'inquiète pas, je m'occupe de filmer. Je s'occupe de la route et je s'occupe de filmer. C'est joli. Il faut absolument qu'on ait rechargé la caméra de vlog. On est en dépression de la chargeance. Ouais, mais en fait je l'ai chargée toute la nuit, mais tu sais pourquoi ça peut marcher? Parce que l'interrupteur était pas allumé. Ouais. Ah merde. La multiprise. J'ai pas vérifié. Mais ça, ça arrive souvent, moi aussi ça m'arrive souvent. Bon, du coup on va chez les parents d'une copine. De Josépha. Josépha. J'ai regardé le vlog d'ailleurs. Bon, moi chez toi. Moi chez Josépha, pas chez toi, piquer un peu d'électricité. Hein. Et dire bonjour surtout. On a rechargé les batteries. Ouais. Même les batteries qu'on a encore mangées. Ouais. Ils nous ont donné des gâteaux, ils étaient trop bons, des petits sablés. Ouais. Et le papa de Josépha nous a conseillé d'aller voir un point de vue là, un peu plus haut. Ouais. Où on voit bien la Guadeloupe. J'ai envie d'aller me baigner. Moi aussi. Bon, du coup, pour cette fois-ci, on va vraiment direction le pain de sucre. On va aller voir les tortues. Il y a des tortues là-bas ou pas? On verra. On sait jamais. Tortues aujourd'hui. Bon, et il y a des dauphins ou pas? Ah, les dauphins, il y a un peu de chance. Personne n'en a pas parlé. Ah oui, c'est vrai. Tout se sait. Mince. Mais ici, c'est un petit peu. On a déjà dit que c'était un petit peu le monde de Oui-Oui. Ouais, c'est, en fait c'est tellement petit que tout le monde se connaît. Si on dit oui, vous connaissez l'auberge de machin, tout le monde la connaît quoi. Et ça a l'air hyper sympa. Du genre là, on était chez Pierrot et sa femme s'appelle comment? Brigitte. Et Brigitte, et ils louent des chambres. Ouais. Et vous pouvez pas être mieux placé que là au milieu de chez eux là. C'est, ouais, c'est vraiment juste au milieu, ils sont super gentils. Et donc c'est les parents de Josépha et nous. On est allé recharger le portable et en même temps on a discuté avec eux pendant une heure. Donc si vous venez au centre, faut venir chez Pierrot et Brigitte. Voilà, on vous montre où c'est. De toute façon c'est marqué. Monsieur et... Ah et en plus il y a des flippers, alors comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. À côté de chez Monsieur Bonbon. Chambre climatisée, eau chaude. Voilà, le numéro il a que 3 chiffres ici, on sait pas pourquoi. 0590. Ah ouais. Voilà. Et il y a un chien. Et il y a un chien qui te fait ta fête quand t'arrives. Après il se calme. Alors cette fois-ci c'est Marion qui conduit. C'est Marion qui conduit et il y a attention, il y en a un derrière et il y en a un devant. C'est ça. Elle gère, en fait elle s'est entraînée toutes les fois qu'elle est venue. Et là tu peux te remaquiller. C'est bon. Donne-moi des grands traits. Un petit clignotant. C'est bizarre en fait. Eh oui mon petit. Direction le pain de sucre. Des demi-tours sur l'île des Saintes, c'est pas si facile. Pourquoi il sonne celui-là là? Parce qu'on est en marche arrière. Ah ouais. Voilà. Ah, il y a des fleurs de bananier, regardez comme c'est beau. Ah ouais, avec les pousses. Ça se mange ça en gratin? C'est bon. J'ai jamais goûté. L'artichaut géant. Voilà. Tu trouves qu'on dirait. Ah oui. Mais ouais, tu trouves pas? Du coup, là où est-ce qu'on va se garer? Les panneaux ici sont bien cachés en fait. C'est comme sur l'île. Et ça c'est le petit chemin. C'est comme ça à Coma ou pour aller au pain de sucre. Verdurer? Non mais, le chemin comme ça avec des tombes, ça se fait hein. Ah oui, je pense. Verdurer. Ça fait peur. C'est pour ça que je dis que ça fait peur. Mais non, c'est trop féerique. Merlin il est en crête, tu te rappelles pas? Ah oui. En fait on avait rencontré Merlin. Oui oui oui. Tu te rappelles de Merlin? Ouais je me rappelle de Merlin. On avait rencontré du people là-bas. Ouais. Pamela Anderson. La Rousseau. La Rousseau. C'est une piscine. Ça a l'air magnifique. Ma chérie. Ma chérie.
C'est naturel, protégé, pain de sucre. Il n'y a même pas d'algues. Si ça, c'est pas beau, alors je sais pas ce qui est beau. Waouh. Photo. Ouais. Un petit bémol quand même. Quoi, il n'y a pas de douche. Non, le sable, Choufi. Ouais. Tu vois, c'est pas du sable à 10 sur 10. Donc ça, c'est une plage à 8 sur 10. Ouais. À cause du sable. Bon, où est-ce que nous allons prendre racine? Regarde-le, celui-là, le crabeau. Mon Dieu, comme c'est beau. Je vais vous là. Ah, mais il y a plein de crabes. Faites gaffe, les gars, ça va descendre à 7. Hein. Ah, c'est une maison de chez quelqu'un? Ah, c'est ouais, la maison dont tu disais. C'est ça, la maison. C'est quoi la maison de Johnny? Non, c'est pas sa maison, en fait, c'est la maison qu'il avait louée, c'est la grosse maison là. Celle-là là? Ouais. Bah, en fait, c'est quasiment, si tu veux, ça va être chiant, ça aurait été une plage. Voilà. Là-bas, tu la vois mieux. C'est la maison que les gens riches ils louent. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aller prendre la maison là-bas pour avoir la plage du pain de sucre. Trop belle. Et donc, nous, on n'avait pas de palme. Non, on n'avait pas de masque et tuba, mais du coup, Pierrot, il nous en a prêté. Donc, on va pouvoir aller voir tout ce qui se passe par là-bas en dessous. Et cette fois-ci, on n'a pas oublié la GoPro. Oui, qui n'est pas une GoPro d'ailleurs. On va aller l'embêter un petit peu, celle-là. Elle s'est prise pour une sirène. Et la crème solaire? La crème solaire, je l'oublie. Non, j'ai eu la phlémagite là. On dirait qu'il n'y a pas de soleil. C'est très très fort. C'est si, en plus, t'es genre sur un rocher, ça va se réverbérer avec l'eau. T'as dit ça va se réverbérer? Réverbé. Non, il va y avoir la réverbération plutôt. C'est réverbé. Ça va la vie? Ça va la vie, il y a pire. Il y a pire? Oui. Et dans 2 jours, on rentre à la maison? Mais c'est le calme avant la tempête. Quelle tempête? Tempête de... On va rentrer, on va avoir du travail jusque là. Ouais. Le jour où vous verrez ce vlog, elle en aura jusque là. Pendant ce temps-là, au pain de sucre. Qu'est-ce que tu fais, la geek? Je relève les messages. Les copains qui sont restés travailler. Je leur dis que la vie est belle. Ça va, les étudiants en médecine, hein? Tu devrais être en train d'étudier. Ah ouais, là. Demain. Demain. On retourne dans la réalité. Ouais. En tout cas... Mais en fait, c'est marrant qu'ils vous aient pas expliqué, mais quand t'es sous l'eau, tu peux retirer ton masque. Ah bon? Juste, en fait, tu peux faire comme ça. Démonstration. Quand t'es en bouteille, hein. Ouais. T'as ton masque, donc tu l'as sur toi, comme ça. Ouais. Et en fait, quand t'es sous l'eau, tu soulèves ton masque comme ça et tu fais plein de bulles dedans. Après, tu te mouches dedans. Et en fait, ça te nettoie tout le truc. Ah ouais? Et après, tu le remets et t'as pas d'eau dedans, t'as que de l'air. Ah bah, enfin, ils nous ont rien expliqué, hein. Et pareil, une super technique pour pas avoir de buée dans ton masque. Quand tu pars de chez toi, tu mets du liquide vaisselle dedans, tu laisses. Ah ouais? Tu les rinces une fois dans l'eau et c'est comme ça que moi j'ai pas de buée. C'est super pratique. Ah! Et cracher dedans, ça marche pas alors? Moins bien. Moins bien. Ouais. Bah c'est pour ça alors, on sait tout maintenant. Il n'y a plus de secret. Et moi cette fois-ci, j'ai une serviette digne de ce nom. Parce qu'en Crète, j'en avais une qui faisait de la peine un peu. On va tourner une vidéo plus loin là-bas sur le ponton. Les filles sont déjà en train de tout installer. Et on va tourner une vidéo drôle. T'as dit ce qu'on tournait comme vidéo? J'ai pas précisé ce que c'était. Je cache alors. Ouais. Parce que je sais pas si elle sera avant, après, pendant. Je
Tu vois, je sais plus où elle est située. Mais par contre, sors-moi ça. C'est dégueu. Oh non, j'ai pas envie, non. Je vous jure, j'ai la gerbe. Ça nous a occupé, mais en fait, il faisait tellement chaud qu'il y avait de la buée. Toute la caméra, ça fait qu'on s'est tapé des crottes de nez, des vers de terre pour rien. On va refaire demain. Heureusement, la cire d'oreille. Heureusement, on avait une autre. Ah, la cire d'oreille, elle devait être dégueu. Je sais pas ce qui est pire, si c'est vers de terre ou cire d'oreille. Ah, j'ai pas eu de vers de terre, moi. Non, mais vers de terre, c'était vraiment dégueu. Ah, mais on avait dit qu'on disait pas, mais. Maintenant, vous savez quel challenge on a voulu faire. Ouais. On est reparti. Putain, ce Jelly Belly truc là, c'était vraiment ignoble. Hein. J'ai jamais rien fait d'aussi dégueu de ma vie. Et demain, on remet ça. Et demain, on remet ça parce qu'on est des. Warrior. On remonte sur les chemins escarpés. Descente. Hop. Et on va aller visiter une nouvelle plage. On peut pas se baigner. Les vlogueurs, les kiffeurs. En train d'apprendre à conduire et tout. On est à la nouvelle plage. Mais moi je suis pas traque des bonbons. Safia, t'as remis ça? Ouais, mais cette fois on s'est pas galéré, la crêpe est venue à nous. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Et là, on a vu le pot Nutella, on s'est dit. Oh. Juste en face de l'embarcadère. Bonjour, monsieur. Bon, allez, assez trimé. On rentre à la maison. Je vous ramène. Alors, l'embrayage. Il est où maintenant? Non, arrête, je vais pas toucher. Ça m'a l'air bien complet ce tableau de bord. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a la direction assistée ici? Bye bye les saintes. Bye bye les saintes. A bientôt. A bientôt les saintes. On est reparti. On vient de récupérer notre voiture. Aïe. À Basse-Terre, c'est ça? Ouais, on est à Trois-Rivières. Là. On est à Trois-Rivières. Quoi? Et là-bas, il y a un coucher de soleil pas mal, pas dégueu. Oui, mais les jaunes et là-bas étaient roses. Ouais. C'est vraiment super joli. Je sais pas si on va le voir dans l'autre sens. Mais les couleurs sont trop. Aïe! Je me suis tapé le museau. Les couleurs sont trop belles, quoi. Et donc là, on va chercher des beaux kits. C'est les sandwichs d'ici. Apparemment ils sont très gras, trempés dans l'huile et trempés là dans l'eau, ça les fera un pistoco tout chaud. C'est ça non? Ouais ouais c'est ça, c'est en fait un pain qui est trempé dans l'huile, enfin qui est frit dans l'huile et en fait après bon, on remplit comme un sandwich quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est pas manger tous les jours. Non. C'est pas mal, ça change. On va bien voir les petits biquettes. C'est pas les biquettes. Beau kit. Beau kit. Alors l'histoire du petit singe de Capesterre. En fait c'était un singe qui vient de Guyane, je crois que c'est un paresseux. Et il a été ramené par des braconniers ici. Et le truc c'est que c'est illégal de ramener des animaux. Du coup il y a un monsieur qui travaillait à l'aéroport qui l'a gardé pour... c'est un bébé en fait pour le nourrir et tout. Et depuis il l'a gardé chez lui, il a plus de mon âge. Parce que quand j'étais petite je le voyais déjà le singe. Et en gros il y a plein de gens qui s'arrêtent sur la route et tout, qui lui donnent à manger, ça fait un petit peu l'attraction. Il s'appelle comment? Coco. Coco, voilà. Ah bah c'est bien un nom de singe. Mais en fait ils l'ont gardé voilà. Parce qu'ils pouvaient pas le remettre en liberté, ouais, il était voilà, trop faible. Ouais. Ah oui. Trop un bébé qu'on avait reçu. Et comment tu connais cette histoire toi? Alors là je crois que c'est mon père qui me l'a raconté, mon grand-père quand j'étais petite. D'accord. Voilà. On est rentré à la Casbah. Mais moi aussi, genre ça va changer quelque chose. Et du coup, vu que ce soir on est lundi et demain il y a le vlog de Safia qui est en ligne et mercredi il y a nos favoris du mois qu'on a tourné l'autre jour. Ça y est, toi tu m'as quitté. Non, je t'entends pas. Ouais. Du coup, on est en train de travailler. C'est la première fois qu'on travaille depuis qu'on est arrivé. Exact. Ça nous fait fort bizarre. Moi, ça m'avait un peu manqué quand même. Non, c'est cool. Si, j'aime bien. Ah bon, elle aime je bien ça. Les vlogs. Ouais, c'est ça, moi j'ai les favoris, ça me dégoûte un peu. Ouais, c'est pour ça. Et voilà, et donc Marion elle est juste là. Coucou. Et on a commandé des pizzas.
Enfin non, on les a pas commandés. On les a commandés. Ah, je croyais qu'il allait les chercher, Pierre. Il va les chercher. Non, il les a commandés. Ah d'accord. T'as de la monnaie, toi? Tu lui as dit qu'on le mettait à réquisition demain pour le challenge? Ah non, je l'ai pas. Ah ouais. On va avoir besoin d'un juge arbitre. C'est toi qui va disperser les crottes de nez et tout là. J'explique bien. Dans le prochain épisode de Vlog en Guadeloupe. Yeah, baby, slow down.